Autre nouveauté de la presse cette semaine, Alizée est de retour. Mais si, souvenez-vous, l'ex-petite protégée de Mylène Farmer, la Lolita des années 2000. Voilà. Mais pour son comeback, Alizée change carrément de look. Plus adulte, plus sexy, méconnaissable. D'ailleurs, on va faire le test. Hein. Tenez, c'est qui à votre avis, là? Je sais pas du tout. Oh là là. Penelope Cruz, je pense. Non. J'aurais dit Madonna, mais c'est pas Madonna. C'est ouais, Miss Paris. Mais moi, j'aurais dit Adjani, alors... Ah bah non, bah vous avez tout faux, hein. C'est la chanteuse Alizée, si, si. Oh, Alizée? Bah oui. C'est Alizée? C'est Alizée? Alizée? C'est pas vrai. On la reconnaît absolument pas. Et en plus du look, Alizée annonce qu'elle s'est entourée d'artistes électropop ultra branchés pour changer d'image. Vous attendiez son retour, vous? J'en ai rien à faire. Comme d'elle quand t'étais petite, toi? Pas du tout. Pas du tout. Bah oui, moi, je chante Lolita tous les matins sous ma douche. Hein. J'attendais vraiment son retour. Vraiment. Et vous? Moi, pas vraiment. Alors Alizée, nouvelle icône branchée. En tout cas, j'en connais d'autres qui sont déjà à la mode avant même d'avoir mis un pied à l'école.